C'est bon? Ils sont là ou pas? C'est eux. Tu les vois? Hey, mon vieux petit me crame. Hey, go! Papa go, dit belle cravate. Bonne arrivée la famille. Oui papa. Belle famille. C'est le grand spectacle ici à Paris. C'est Fatima. Hey, Agalawa, hey, on vous voit même pas à cause des masques. Mais vous pouvez retirer le masque. Hein. Ouais. Oui, les masques sont plus obligatoires. Parce que là, on vous reconnaît pas. Ils sont fatigués, ils sont fatigués. Ouais, ambassadeur. C'est toi-même qui est là en personne. Oui, bonne arrivée. Oui, papa, ça fait longtemps. Hein. Bonjour, on va parler. Bonjour. Voilà, faut se croire un peu. Voilà, c'est une réalité, on est là. Voilà. Non, mais petite note efficace. Non, tu es efficace. Ah, d'accord. J'ai des relations. Vas-y, là-bas. Vas-y, là-bas. Ça va très bien. C'est comment? Qu'est-ce que tu promets? Alors, je promets. Là, tu promets. Franchement, je promets. Au bonjour 2022 à Paris, là, je promets. Voilà. Là, je promets. Je vais enflammer comme Mbappé. C'est ça, le Mbappé, c'est l'humour. Willy Dumbo! Oh, Willy! Merde. Ben, qu'on est là, on est là. Ils n'ont qu'à arrêter de raconter des choses, ils n'ont qu'à venir, je vais les délivrer. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues, ils n'ont qu'à venir, je vais les délivrer. C'est très important pour la suite de leur carrière. C'est très très important. Qu'ils reviennent, qu'ils viennent à la grande messe, hein, le 19 mars, c'est-à-dire samedi à partir de 19h, à la maison de la mutualité. Et ils seront délivrés. Je suis avec le président des Malhonnêtes, il est assis là. Président. Celui qui parle de moi, il perd son temps. Président. Celui qui parle de moi, il perd son temps. Ouais, vous voulez quoi? Vous avez à dire aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire ici? Ah, on se connaît. On se connaît, ils vont venir. On se connaît. Le message est déjà passé. Ce 19 mars. Voilà, donc quand ils nous voient comme ça, ils savent qu'on est arrivé et que le show sera garanti. Ils savent. Ils vont venir. Ne vous inquiétez pas. Le pain, on arrive. Bien fait. Bien fait. Oui. Est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens de France là, qui vont venir participer à ce bonjour Paris 2022? Mais déjà, je dis bonjour à tous les Ivoiriens de France. Bonjour, bienvenue, bonjour, c'est le samedi. Je leur demande de venir, c'est important parce que si nous on est venus, pourquoi est-ce qu'eux ils ne viendraient pas? Donc les Ivoiriens de France, les Africains de France, les Français de France qui aiment aussi l'Afrique, la Côte d'Ivoire, venez, venez. Je suis allé mettre Yombo même sur ma tête pour vous dire que non, j'arrive, c'est gâté. Mes cheveux ont poussé ici en 3 jours et puis le samedi ils ont déjà foulé. Merci, on vous attend. On vous attend tous ce samedi 19 mars pour Bonjour Paris 2022. Un moment de retrouvailles avec nos humoristes venus d'Abidjan. Nous sommes déjà là à l'arrivée des premiers humoristes.
Là, on va chercher un magasin pour planter ses cheveux rapidement. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on refasse son style parce qu'on est fatigué des vestes auprès du corps. Ouais. Monsieur Kamasser. Tout à l'heure, nous aurons l'arrivée des prochains humoristes, notamment Priscilla Desgameuses, qui sera aussi présente à ce Bonjour Paris 2022. On vous attend tous. C'est ce samedi. Bonjour. Vous pouvez inviter les Ivoiriens de France à venir à vous. Ben, nous disons tous les Ivoiriens de la diaspora. L'équipe nationale d'humour est en France, précisément à Paris. On sera à la maison de la mutualité. C'est là-bas que tout va se mélanger. Donc venez rire, tous les Africains et les Africains qui sont à Paris, venez à la maison de la mutualité ce samedi 19 mars à partir de 18h, c'est gâté. Merci à vous. Ah, c'est en ligne, non? Alors, ce samedi 19 mars, c'est gâté à la maison de la mutualité. Nous attendons Priscilla Desgameuses pour terminer ce parcours. Bonjour. On est arrivé. Merci. Comment ça va? Oui, c'est bonjour. Et vous pouvez prendre les titres en ici actuellement. Non, non. Donc, vous pouvez venir ici. Je sais que... Attends, tu sais que... Mais nous, on a déjà nos vannes, on a les voitures, tout ça déjà. Donc, ou ici, là, on a déjà les voitures. Il y a foyer. Ok. Il est là de venir à Paris. Voilà. Voilà, la femme là est venue avec sa caméra encore. Je t'ai déjà dit, attends. C'est le samedi 19, je suis à Abidjan. Hey. À Paris. Comment ça chocolat, ça va bien, voilà, ça va bien sortir. J'ai pas re-téléchargé toutes les applications. D'accord, donc passez, viens ici. Papa, attends une minute, j'ai fait l'interview là, d'accord. Télécharge la nouvelle voix de Paris. Allô, 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 1, 2, 3, hey. Paris, 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 voilà, c'est ça. Alors bonjour, je suis à Paris, je viens d'arriver, mais c'est vrai que vous sentez, mais en fait c'est nouveau. Dans 2 jours, vous allez, je vais m'habituer. Voilà, on est là pour Bonjour 2022 à Paris. Ça sera à la salle de la mutualité. Je suis l'ambassadeur à Garawal et je suis là. Et apprêtez-vous parce que quand l'ambassadeur est là, c'est dans les diplomaties, on le voit, mais sur scène, il faut venir seulement. De toutes les façons, je suis le seul qu'on ne peut jamais tuer dans son rêve. Je suis le scénariste. Si ça chauffe, je me réveille. Et puis le film est fini. Samedi 19, soyez là. C'est ce samedi 19 mars à la salle de la mutualité à Paris. Nous aurons nos chers humoristes venus depuis la capitale, Abidjan. Ça sera un moment inoubliable. Les tickets sont disponibles dès à présent auprès de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en France. Vous pourrez prendre vos tickets pour participer à cet incroyable événement, Paris. Nous attendons l'arrivée de Priscilla Desgameuses pour continuer le voyage. Voilà, c'est ce qui m'a fait la Avec la belle Libre d'Élite. Au moins, c'est étoile, c'est quelque chose.
C'est quoi les gens aux États-Unis, tranquille. Je suis sorti, je voulais rentrer dans l'avion. Ah bon, tu as eu quoi? Toi, tu as négligé l'affaire. Hein. J'ai négligé l'affaire. Là. Le gars, il me dit, monsieur, vous avez un problème? Je dis, non. Bonjour, ça va? Bien. Bienvenue. Alors, je viens d'accueillir, donc, les... Je viens d'accueillir les... De la voie de Poste. Ben, ouais, j'arrive, je suis arrivé à Paris maintenant, ça fait plaisir. On fait un tour donc dans les banlieues, dans les faubourgs, et puis après on va aller après dans le 19e arrondissement. Donc on vous attend tous donc ce samedi 19 là à la maison de la mutualité. On va faire du sale. Cric. Ce samedi 19 mars, c'est gâté, comme on le dit en Côte d'Ivoire. À la salle de la mutualité. Il a commencé à télécharger le chocolat. Nos humoristes sont en train de télécharger l'accent de France. Tout à l'heure, ils vont entamer, comme on dit chez nous, le chocobi. Ça sera super. Nous attendons encore l'arrivée de Priscilla Desgameuse. Au programme de cette journée, les humoristes iront visiter la salle de spectacle. Après, nous irons à l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en France pour une rencontre avec Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, Monsieur Maurice Kwaku Bandama. Bonjour Paris 2022, à ne surtout pas rater. Nous ferons vivre cet événement toute la journée de ce samedi 19 mars à la mutualité. Ambassade de Côte d'Ivoire, vous disposez des tickets. Il y a une jolie voix qui est en train de me filmer là. Donc, les tickets. Une journaliste. Les tickets sont disponibles. 50 euros en VIP. Et 70 euros en VVIP. VVIP là, c'est quand tu veux t'asseoir avec les officiels, les ministres, hein, les autorités. D'accord. Donc les tickets sont actuellement physiquement disponibles à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et aux différents points de vente qu'on peut retrouver sur les pages des communicants, les tickets sont disponibles aussi en ligne. Voilà. Donc il y a un lien que nous avons sur la plupart des pages des communicants où vous pourrez prendre les tickets en ligne. Mais vous pouvez 15 66 43 92 pour de plus amples informations, pour tous les détails. Je reviens sur le numéro de téléphone. 66 43 92. Vous appelez, vous avez toutes les informations, vous avez toutes les infos sur comment ça va se passer, surtout sur où avoir vos tickets pour les quelques personnes qui n'ont pas encore pris leur ticket. Merci. Ce samedi 19 mars à la maison de la Bonjour Paris 2022. Vous n'y verrez que du feu. N'hésitez pas, prenez les tickets, 35 euros. Attendez, on continue en même temps avec la voix de la diaspora. Je vous demande de sortir massivement pour Bonjour Paris. Ce sera ce samedi 19 à la salle de la mutualité dans le 5e arrondissement. Venez avec vos enfants, votre maman, votre papa, les étudiants, venez, les employés, venez en groupe de travail, également les amis, les CP, venez ensemble. On va faire la fête ensemble, on va rire une seule fois dans l'année. Et c'est la deuxième édition, la première édition a eu lieu en 2014. Regardez le nombre d'années avant de venir pour la deuxième fois. Réunir tous les artistes ici en diaspora, tous les humoristes, c'est pas facile. C'est pas chose facile. Donc c'est inédit. Faites partie de cela.
pour rire à gogo, on va rire ensemble et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui s'impose. Venez ensemble, on va bloquer le drapeau culturel de la Côte d'Ivoire ici en diaspora. Sans vous, nous ne sommes rien. Grâce à vous, on peut faire de plus grands efforts pour la culture ici en diaspora. Merci. Merci beaucoup. C'était Linda de l'INSEE. Ça sera ce samedi 19 mars à Paris. Vous n'y verrez que du feu. Bon, je suis venu chez Snap, là, c'est pas simplement qu'on est là, un Bristol, l'Italien, la belle, et dynamique. Nous sommes avec les humoristes, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, bonjour Paris. Regardez, je suis pour moi. Je suis pour grand gazette, bonjour Paris. C'est là. Tu connais les pédales dans les histoires. Ouais. Message de l'un des plus grands talents de Côte d'Ivoire et d'Afrique. La plus belle voix du zouglou africain. C'est son message. Merci. Donc autant on chante bien, autant on va bien rire. En ensemble. Merci beaucoup. Il faut chanter à Diapo. Il faut chanter à Diapo, ça va bien. Il faut chanter à Diapo. Ok, salut, c'est Molière. Voilà, je dis à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. C'est maintenant. Et c'est surtout le 19 humoriste africain. Massivement, ne vous faites pas rencontrer. Car l'événement est vraiment de taille. Et je pense que c'est aussi important de venir déstresser un temps soit peu. Ne ratez pas l'événement, c'est le 19. Une date à ne pas rater. On est ensemble. Merci beaucoup. C'était l'artiste Molière qui nous invite à nous rejoindre pour un moment de communion à la maison de la mutualité. Nous allons voir avec l'artiste Rémi Adam qui sera aussi présent à cet événement. Oui. Et après, on se dit que ça montre que le travail derrière il est apprécié, tu vois, justement pour laquelle, raison pour laquelle on est là. Okay. Donc on va donner toujours le meilleur de nous-mêmes et puis bon, ça va bien se passer. Super. Bim. Donc je dois mettre ça où ça? C'est bon? Bonjour. Ici Rémi Edan, Mr. B, Mr. Le Goût de ça. Voilà, on vient à peine d'arriver avec toute la famille, tout le bon I. Voilà. Vous serez présent avec nous ce samedi 19 mars. Effectivement, je serai présent avec toute la team. Voilà, depuis Abidjan, on a effectué le déplacement pour Bonjour 2022 Paris. Ça va bien se passer pour ceux qui n'ont pas encore pris les tickets à commencer à prendre. Hein, parce que ça va bimer très très fort. Voilà, le Mr. B est là, donc il n'y a pas de problème. Une grosse performance comme toujours. Tous ceux qui suivent Rémi savent que c'est l'énergie, c'est du wow sur scène. Donc il y aura une grosse performance. En tout cas, je promets ça. Et ça va se passer. Merci beaucoup. Grande performance attendue avec Rémi Adam. Une étoile montante de la musique ivoirienne. Oh.
C'est ce samedi à la maison de la mutualité. Ça sera du lourd avec nos artistes humoristes venus de la Côte d'Ivoire et aussi nos artistes tels que Rémi Adam qui vont performer tout au long de cette magnifique soirée à la salle de la mutualité. Tous les Ivoiriens de la diaspora sont attendus, même les Africains, parce que c'est ça. Ça sera un moment inoubliable. Ne vous faites pas raconter. Prenez vos tickets et venez participer avec nous. Ça sera super. C'est quand même un honneur, tous ces grands frères, c'est un challenge. Priscilla, la dégameuse. Ils sont forts, les enfoirés. Priscilla. Oui. Bonjour. Alors finalement, je parle à qui? C'est tout comme c'est, ça. C'est... Ok, d'accord, ça marche. D'accord. Ça donc, marche. Qu'est-ce qui est prévu pour le 19 avec Priscilla? Vous connaissez la dégameuse. On dirait n'est pas seul dans sa tête. Okay. Donc dans sa tête là, ceux qui vont décider de sortir ce 19, ils vont sortir. Mm-hmm. C'est 2 personnes ou 3 personnes, c'est 100 personnes aussi. En tout cas, ceux qui seront là, c'est eux qui ont profité. Le reste là, il y a quoi, hein? Elle a été claire. Vous avez intérêt à sortir. Tiens mon bébé. Ça c'est l'étoile montante. Bah, non, même pas l'étoile, le soleil brillant. Bah, les étoiles sont beaucoup. En tant que le soleil est seul. Rémi Adam. Il n'y a pas l'homme pour lui, il chante merci. Fort. Merci. Voilà, donc il est là pour le show. Okay. On parle. Parle. Bon, si il y a étoile montante, c'est qu'il y a planète depuis l'univers. Donc voici l'univers là même qui est là. Voilà, Mr. Beam, on est là. Qu'est-ce qui est tombé là? Voilà, donc on est là, on vous promet un gros show. C'est la 2e édition. C'est les aléas du direct, pardon. Les grandes chaînes de télé, là, ça arrive. Bon, tu sais, avant la même, il n'y avait pas pince. Hein. Voilà, c'est le temps de mis pince. Donc voilà, tout ça, ça fait le micro. Donc voilà, venez au show, venez. Ça sera vraiment tout. Il y a toute la crème, il y a toute la team qui est là. Ça va bimer. Bim. On s'en va là-bas. C'est gâté ce samedi. Vous êtes tous invités à la maison de la mutualité pour un moment inoubliable avec nos humoristes ivoiriens. Nous aurons Willy Dombo, Michel Gou, Digbe Cravate, ici présent. Nous aurons également Priscilla Dégameuse. Peut-être qu'elle sera seule, ou même 2, ou peut-être 3 en 1. Ça sera un moment inoubliable. Ne vous faites pas raconter. Prenez vos tickets et venez nous rejoindre pour ce moment de convivialité, ce moment de partage, d'amour, ce moment de la culture ivoirienne. Ne vous faites pas raconter. Venez massivement. C'est ce samedi 19 mars à la maison de la mutualité. Ça sera super. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez en direct depuis la voix de la diaspora.